C'est parfait. Eh ben, merci beaucoup à Table Rase de m'inviter pour présenter une réflexion aujourd'hui du coup, sur Marx et l'écologie. Et ben, je veux dire aussi que ça me fait tout drôle de me retrouver un peu de l'autre côté, parce que j'ai participé durant une ou deux années à l'organisation et la participation à certaines de ces conférences. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir maintenant partager avec vous un peu ces quelques maigres années de recherche sur mon sujet de thèse, et je vais essayer de le faire de la manière la plus accessible possible, en centrant principalement mon propos sur des questions politiques, hein, et non pas, parce que je fais une thèse en philosophie, mais ça ne va pas être la question centrale aujourd'hui, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, mon propos s'intitule « Penser l'écologie avec Marx et au-delà de Marx », on verra aussi pourquoi cette concession à la fin. Et je commencerai par me demander pourquoi on a besoin en fait de la référence à Marx pour penser le problème écologique aujourd'hui. Pourquoi on a besoin d'une théorie en fait critique de la société pour cet objet? Alors déjà, il faudrait se demander ce que c'est qu'une crise écologique, quel est l'objet dont on parle, et pour qu'on ait une base commune de discussion. On peut se référer à des sciences environnementales, on a du coup des choses en biologie des écosystèmes, en géologie, en sciences climatiques, etc., pour tâcher de définir cette crise-là comme une perturbation d'un écosystème. Alors, on pense souvent au réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est une des crises majeures qui nous touche, mais on peut en identifier une série d'autres perturbations de cet ensemble écosystémique qui est le système terrestre. Alors, il y a un article assez réputé qui est paru dans la revue Nature en 2009, qui a identifié comme ça une série de crises écologiques globales, parmi lesquelles, notamment la saturation en azote des sols, donc une perturbation du cycle de l'azote, l'acidification des océans, la raréfaction de la couche d'ozone, ou l'extinction massive des espèces. Alors, dans cet article, ces scientifiques définissent la crise comme le franchissement d'un seuil critique, au-delà duquel on passe, en fait, suite à un ensemble de changements quantitatifs, dans, par exemple, une concentration d'une particule, à un seuil qualitatif, une rupture qualitative, qui entraîne un emballement catastrophique et parfois des conséquences irréversibles. Et on peut mesurer, en fait, cette crise en fixant un niveau du seuil à ne pas dépasser, au-delà duquel ce changement quantitatif se renverse en rupture, et mesurer du coup l'évolution en deçà et au-delà de ce seuil. Par exemple, si on prend le cycle de l'azote, c'est quoi le cycle de l'azote? C'est l'échange en fait entre la concentration gazeuse de l'azote dans l'atmosphère et sa concentration solide dans les sols et dans les eaux, dans la lithosphère. Et cet échange-là, ce cycle, est régulé en fait par le métabolisme des plantes. En fait, c'est l'azote qui est capté par des bactéries, il se transforme en solide dans les sols comme nitrate, et les plantes s'en servent pour leur métabolisme et rejettent de l'azote dans l'atmosphère. Seulement, suite à une crise, en fait, de l'épuisement des sols, une technique a été inventée pour synthétiser un engrais azoté. Donc on a pris l'azote dans l'atmosphère, avec une sorte de synthèse chimique, pour faire des azotes solides. Et cette méthode s'est tant développée qu'on est passé à un prélèvement du coup d'azote, un prélèvement artificiel, hein, d'azote de l'atmosphère de 0 tonnes par an, puisqu'il n'y avait pas encore cette technique avant, à 121 millions de tonnes par an aujourd'hui. Et ce qui conduit en fait à une saturation des sols et des eaux en azote qui va avoir des conséquences délétères pour la vie de certaines espèces, végétales, animales. Et le seuil qui a été fixé était de 35 millions de tonnes d'azote dans cet article. Ils ont dit c'est le seuil critique. Donc il a été depuis longtemps dépassé, d'où les conséquences, les conséquences délétères pour la vie. L'extinction des espèces, on a aussi pu mesurer une évolution avec un rythme de 0,1 à 1 à une espèce pour 1 million d'espèces qui disparaît par an avant la révolution industrielle, à aujourd'hui 100 espèces pour 1 million, donc une augmentation de 1000 du rythme, tandis que le seuil critique a pu être fixé par exemple à 10 espèces pour 1 million par an. Voilà, donc on a véritablement aussi un dépassement large du seuil de crise. Et pour le réchauffement climatique, c'est assez connu, on a une perturbation du cycle du carbone, donc de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Avant l'ère industrielle, donc début 18e siècle, on était à 280 particules par million, ppm, aujourd'hui on est à 400. Et le seuil critique a été fixé à 350. C'est 350 parties par million de concentration de carbone dans l'atmosphère, c'est 1 degré de réchauffement climatique. Et on a estimé qu'au-delà de ce seuil, on avait des effets catastrophiques qui pouvaient s'enclencher. Et vous savez, ces effets de boucle de rétroaction, où finalement un effet va entraîner un aggravement du processus de réchauffement. On pourra y revenir en discussion si vous voulez. Bon. Et pourquoi on parle en fait de crise écologique et pas de catastrophe? C'est ça qui m'intéresse en fait. Et c'est là que la science peut-être fait défaut. En fait, on pourrait
dire un exemple de catastrophe naturelle, bon, bah, c'est le tremblement de terre, l'éruption volcanique, le crash d'une météorite, par exemple. Donc, quand on parle de crise, on ne parle pas seulement de conséquences destructrices hein, pour l'espèce humaine, notamment. On parle aussi de la conscience du rôle de l'action humaine dans le déclenchement de cette crise, qui devient dès lors un moment critique, c'est-à-dire un moment de décision dans lequel on peut agir contre pour changer la tendance, ou ne pas agir et transformer cette crise en catastrophe. Voilà. On peut prendre l'exemple de la raréfaction de l'ozone dans l'atmosphère, qui a pu être régulée par une action transformatrice, donc par une série d'actions de régulation de certains gaz qui allaient percer le trou dans la couche d'ozone. Et là, si on veut spécifier maintenant de quelle action on parle, quelle cause humaine en fait de la crise il est question, je pense que la science de la nature reste bien démunie en fait pour nous apporter la réponse. On a le concept d'anthropocène que vous connaissez peut-être, qui est aujourd'hui une sorte de fétiche un petit peu du discours global sur la crise environnementale. Et ce concept d'anthropocène a été élaboré par un scientifique géologue, dans pareil, la revue Nature en 2002. Ce scientifique, c'est Paul Crutzen, qui définit en fait la crise actuelle comme une nouvelle époque géologique. Donc l'anthropocène qui fait suite à l'Holocène. L'Holocène, c'était l'époque géologique de moins 10 000 ans à aujourd'hui. Et il a dit non, il y a l'anthropocène qui est arrivé récemment, qui se traduit en fait par un impact visible de l'activité de l'homme dans la couche terrestre. Dans la stratigraphie, on peut voir une couche où la concentration de certains composants chimiques a été bouleversée par l'activité humaine. Et ce concept d'anthropocène, de par sa généralité, va faire de l'homme comme espèce, l'anthropos, du coup le responsable de la crise écologique. En raison peut-être, du coup c'est des hypothèses qui ont été données, de son inventivité technique. Alors, tout un débat va se lancer dans cette tradition théorique de l'anthropocène, hein, qui a une dizaine d'années, pour savoir si c'est depuis l'invention de l'usage du feu, donc depuis l'époque néolithique, ou depuis l'invention de la machine à vapeur, que va se situer l'origine de la crise écologique. Dans tous les cas, c'est l'humain qui serait responsable. Et donc, quelle perspective politique nous laisse une telle définition? Soit un catastrophisme malthusien. Je reviendrai à Malthus tout à l'heure, mais c'est de dire, le malthusianisme, c'est vouloir réduire la population comme une solution à un problème social. Et du coup, l'homme est trop nombreux sur Terre, les humains sont trop nombreux sur Terre, et du coup, on va prôner des mesures de régulation de la population terrestre. Ou alors, une utopie prométhéenne, au sens où on va faire de l'activité technique de l'homme, qui était la cause, la solution. Donc il y a une inventivité technique de l'homme qui est là, qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et ça se traduit aujourd'hui par des projets qu'on appelle de géo-ingénierie. Donc par la technique, on va modifier, en balançant des particules, par exemple, réflexives dans l'atmosphère, d'aluminium, on va contrebalancer l'effet du carbone, enfin des sortes de délires comme ça d'ingénieurs capitalistes. Bon, dans ces deux cas, jamais n'est envisagée la possibilité d'une transformation de l'organisation sociale qui décide en fait de la manière dont on se rapporte à la nature, c'est-à-dire de la manière dont on produit. Enfin, on va voir pourquoi le concept de production est important pour comprendre le rapport à la nature plus tard. Mais si on dit que l'organisation sociale peut faire question face à la crise écologique, ça demande au préalable d'avoir identifié des causes elles-mêmes sociales, d'avoir défini un système social qui aurait été créé à un certain moment, qui pourrait être changé, qui serait une des causalités principales. Et un ensemble d'auteurs ont notamment voulu contester le concept d'anthropocène pour sa trop grande généralité et envisager un nouveau concept alternatif, bon, polémique, hein, que serait celui de capitalocène. Et effectivement, le but là de mon propos va être de montrer que par l'analyse qu'il fait du capitalisme comme un système social, le marxisme, alors marxisme, hein, c'est écrit de Marx et leur réinterprétation au cours de l'histoire, notamment dans l'époque actuelle, ce marxisme nous offre une ressource pour penser une étiologie sociale de la crise écologique. Étiologie, c'est l'étude des causes, trouver quelles sont les causes sociales, et envisager sa résolution politique, et non pas uniquement idéologique, technique, etc. Alors je vais procéder en trois parties. D'abord, j'ai envie de revenir sur un préjugé hein, que Marx aurait manqué l'écologie. Donc je vais revenir sur la manière dont Marx a pu être un précurseur, en fait, de la théorisation de ce que serait une crise écologique. Pour ensuite expliquer, revenir sur... Alors c'est pas Marx qui le fait, là c'est moi qui vais extrapoler à partir des concepts de Marx, pour proposer une explication causale plus détaillée de la crise écologique globale par des dynamismes économiques et sociaux
du capitalisme. Et enfin, alors ce sera un peu plus spéculatif, un peu plus peut-être généraliste, disons, mais envisager ce que ce pourrait être une résolution de la crise écologique en mettant en avant la nécessité d'une perspective révolutionnaire. Et non pas, alors on verra ce que ça veut dire, gestionnaire. Bon, ce ne sera pas une gestion de la crise, mais une résolution de la crise par la révolution. Alors, tout d'abord, sur la transformation de l'image qu'on peut avoir de Marx, d'un Marx productiviste, disons, à un Marx écologiste. Le reproche qu'on a souvent attribué aux marxistes a été l'aveuglement à la question écologique, avec une opposition qui s'est constituée dans les années 70 entre des syndicalistes marxistes et les militants écologiques, on connaît ça. Et j'aimerais montrer au contraire que Marx, si on sait lire ses textes, peut être pensé comme un précurseur, peut être reconnu comme un précurseur de l'écologie politique, c'est-à-dire d'une écologie qui se pense à partir d'une pensée d'un système politique. Alors, bien évidemment, on ne peut pas entièrement remettre en cause l'idée qu'on aurait d'un Marx productiviste. Il faut distinguer des phases dans son évolution, dans sa pensée. Et il y a bien eu une première période où il a pu défendre quelque chose comme un productivisme, que je vais définir ici simplement à partir de deux présupposés. L'idée qu'on pourrait toujours développer la productivité du travail sans limitation naturelle. La productivité, c'est le rapport entre la quantité de valeur produite et le temps de travail dépensé pour ce faire. Et le deuxième présupposé sera un présupposé plus politique, selon lequel le développement de la productivité rendu possible par le système capitaliste est une condition préalable et nécessaire à l'abondance qui sera la base de la société communiste. Donc on a une sorte de trajectoire comme ça, où le communisme vient se faire sur la base de ce qui a été développé précédemment par le capitalisme. Alors, s'il y a un productivisme du jeune Marx, alors on va pouvoir peut-être contester cette appellation, en tout cas du Marx, jusqu'aux années 60. Il se comprend dans une opposition stratégique à des adversaires, notamment Malthus, dont j'ai parlé tout à l'heure. Malthus, c'est un penseur anglais du tournant 18e-19e siècle, un idéologue plutôt, qui essayait de justifier la misère sociale des bassins ouvriers anglais, britanniques, à partir d'une théorie de la limitation naturelle de la production. Nous faisons face à des contraintes naturelles de notre production qui nécessairement vont conduire à un excédent de population par rapport à ce qu'on peut produire en termes de nourriture. Et il a pu ainsi justifier le fait qu'il y aurait un excédent de population dont il faut se débarrasser, ou qu'on ne doit pas aider. Et c'est des pratiques répressives envers les pauvres, notamment à l'époque, début 19e siècle, qui ont pu être justifiées par cette idéologie. Et ce qui est particulièrement frappant, en fait, c'est que l'écologie politique, telle qu'elle s'est constituée dans les années 60 jusqu'aux années 80, a eu un ancrage fort dans le malthusianisme. Il y a eu un néo-malthusianisme écologique. Donc ça, il y a eu des ouvrages un peu comme ça, fondateurs, notamment celui qui s'appelle « La bombe population » de Paul Ehrlich. Il va faire un jeu, donc la nouvelle bombe, c'est plus la bombe H, mais c'est la population qui va faire pression sur les écosystèmes. Et la perspective politique, ça va être une réduction de la population mondiale à environ 500 000 personnes. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Voilà. Le danger, en fait, d'une dérive écologique qui se cache derrière cette théorie. Seulement, on peut parler d'un tournant écologique de Marx dans une période de sa pensée qui est assez tardive, qui se joue en fait au moment où il va rédiger les manuscrits du Capital, notamment les manuscrits du troisième tome. C'est année 1863-1865, donc ça, disons 20 ans après les premiers travaux qu'il a pu engager sur ces questions-là. Marx ne s'opposait pas contre Malthus, il ne s'opposait pas dans l'absolu à l'idée d'une limite naturelle à la production. Ce à quoi il s'oppose, c'est le présupposé de cette limite, qui serait un présupposé idéologique et non scientifique, juste pour vouloir justifier la misère sociale, l'excédent de population. Et en fait, il a découvert, il a lu un scientifique qui s'appelle Justus von Liebig, un chimiste en fait, qu'on peut considérer comme un des premiers scientifiques ayant traité des régulations des écosystèmes, et notamment l'écosystème
constitué par l'activité agricole humaine et le renouvellement des plantes et des sols. Et c'est au moment où Marx va s'intéresser à ce bonhomme parce qu'il est en train de travailler sur la productivité et la fertilité des sols pour penser la rente foncière. La rente foncière, c'est le profit spécifique dégagé par l'agriculture. Alors ce Liebig, ce scientifique, élabore ce qu'il appelle la loi de la restitution pour penser cette régulation de l'écosystème agricole à partir du métabolisme des plantes qui vont absorber des nutriments dans les sols. Et alors il montre que ce métabolisme repose sur la ponction des matières organiques, donc des déchets végétaux dans les sols, et des matières inorganiques qui sont déposées, c'est des alluvions qui sont déposées dans les sols par les cycles des pluies et de l'érosion. Et Liebig était déjà conscient d'une rupture possible de ce cycle de renouvellement. Et déjà dans son travail scientifique, il mentionne des hypothèses d'ordre un peu social. Il va dire notamment l'agriculture moderne conduit à cette sorte de rupture du cycle du fait de la scission de la ville et de la campagne. Dans la scission de la ville, la concentration urbaine et la scission des pôles de production agricole et des pôles de consommation de la nourriture, les déchets organiques qui résultent de la consommation, ce qu'on appelle le fumier, la fumure, etc., ne sont pas restitués dans les sols. Donc on va avoir un défaut de matière organique. Et en effet, on est dans une époque, milieu 19e siècle, où il y a une crise réelle de la fertilité des sols. Et pour pallier cette crise, se développe un ensemble d'engrais. Alors des engrais organiques, on connaissait la fumure des animaux, mais on a aussi l'import massif de guano, c'est une matière organique qui est importée des colonies sud-américaines. En fait, c'est des chiures d'oiseaux qui sont sédimentées et qu'on va mettre dans les sols. Seulement, il est conscient que même l'usage d'engrais ne peut pas résoudre entièrement le problème. Parce que par l'usage d'engrais, on peut augmenter la productivité des sols sur le court terme en accélérant le taux de ponction des matériaux, des nutriments dans les sols. Mais l'engrais ne renouvelle pas les alluvions et d'autres matériaux, d'autres nutriments qui sont nécessaires aux plantes. Sur le long terme, malgré l'augmentation de productivité sur le court terme, sur le long terme, on peut avoir un épuisement. Marx se réapproprie cette théorie. Véritablement une théorie des écosystèmes locaux, hein, d'un point de vue sociologique. Et c'est ça son apport. Pour Liebig, la théorie, l'explication reste très vague. Il va dire bon, c'est un peu la technique moderne, la civilisation moderne, la vie moderne qui serait la cause. Bon. Marx va essayer de rattacher ou de raccorder cette théorie de écologique en fait, à une logique plus large de la production capitaliste. Marx ne va pas critiquer en soi la technique de l'industrie agricole. Ce qu'il va critiquer, ça va être l'intégration de l'agriculture dans la logique du marché, dans la logique de la concurrence marchande. En effet, par cette intégration marchande de l'agriculture, la production agricole va être conduite à favoriser le profit à court terme sur la durabilité à long terme. On va voir plus tard, pourquoi ? Je vais l'expliquer plus par la suite. En tout cas, disons que il importe à des investisseurs agriculteurs de parvenir à avoir une place avantageuse sur un marché des prix. Et le gain va être dans l'immédiat. Ils vont se désintéresser au gain, disons, à la durabilité du gain qu'ils peuvent faire dans l'immédiat. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, je pense que j'approfondis par la suite cette question-là économique plus précisément, mais en tout cas c'est bien le critère de rendement immédiat du marché qui va conduire à un épuisement des sols sur le long terme, selon Marx, un épuisement des sols et la pollution également des écosystèmes. À partir de cette réinterprétation plus sociologique ou sociale d'une crise écologique, ou plutôt d'une théorie de des cycles de renouvellement des écosystèmes, Marx va élaborer véritablement un concept de crise écologique. Alors, il n'emploie pas le terme d'écologie. À l'époque, alors, c'est juste au même moment, années 60, apparaît le terme écologie dans la biologie, notamment, c'est un scientifique Haeckel, allemand, qui développe ce terme-là, mais c'est très descriptif. Pour Haeckel, l'écologie, c'est juste la science des interactions d'organismes dans un environnement. Il n'y a pas une connotation politique.
Au contraire, Marx va donner un soubassement politique à cette réflexion-là, en parlant, donc il ne parle pas de crise écologique, mais je vais prendre la citation, je vais l'analyser. C'est dans le manuscrit du livre 3 du Capital, à la fin du chapitre consacré à la rente foncière, il va critiquer les conséquences délétères, catastrophiques, de l'agriculture moderne spécifiquement capitaliste, en disant qu'elle engendre, c'est là que commence la citation, une rupture irrémédiable dans l'équilibre complexe du métabolisme à la fois social et soumis aux lois naturelles de la vie. Alors, métabolisme, c'est un terme qui peut paraître étrange sous la plume de Marx. En fait, il était très fréquent à l'époque. Et ça vient de la chimie, ça s'appelle en allemand Stoffwechsel, qui veut dire littéralement échange de matière. Et par ce terme-là, Marx redéfinit la production humaine, ou le travail humain, comme un échange de matière au sein d'un écosystème, composé par la société humaine et son environnement. Et ce processus de métabolisme, comme il le dit, dépend de deux facteurs. D'une part, ce qu'il appelle les lois naturelles de la vie. Alors c'est quoi les lois naturelles de la vie? Là, il fait référence à ce que j'ai énoncé tout à l'heure, la loi de la restitution de Liebig. C'est-à-dire une loi naturelle qui est nécessaire au maintien de la vie. Et ici, ça peut être la vie des plantes, mais ça peut aussi être la vie des humains qui dépendent de ces plantes. Bon. Et la seconde qualification de ce métabolisme, c'est d'être organisé par quelque chose de social, par une finalité sociale. On travaille pour quelque chose en société. Et ce qu'il appelle rupture de ce métabolisme, c'est la contradiction possible entre ces deux moments. Contradiction possible entre cette finalité sociale, pourquoi on produit dans cette société-là, qui va être définie, comme on le verra, par, bon alors, de manière très simpliste, on va pouvoir affiner ce terme, mais par la recherche d'un profit. Et contradiction entre cette fin et les conditions naturelles de la production qui permettent sa durabilité sur le long terme. Et Marx forge ce terme de conditions naturelles de la production. Et c'est à ce moment, assez tardivement. Et par cette élaboration d'un concept de crise écologique, alors on a pu appeler, que beaucoup maintenant appellent la rupture métabolique, c'est un peu le terme comme ça à la mode dans les études marxistes écologiques, Marx va complexifier sa critique du capitalisme. C'est-à-dire que, non, il n'y aura plus seulement le critère de l'exploitation du travail humain, mais aussi le critère de la destruction de la nature, mais toujours lié à la vie humaine, comme condition de la vie humaine. Et alors ça se trouve notamment à un chapitre assez intéressant, c'est dans le livre 1 du Capital, à la fin d'un long développement sur la machinerie capitaliste. C'est un petit chapitre intitulé « Grande industrie et agriculture ». Et le chapitre se termine sur cette citation qui est assez remarquable, où il dit, et qui va bien remettre en cause une forme de confiance aveugle dans la technique, Marx va dire « Et tout progrès de l'agriculture capitaliste, et non seulement... » Alors progrès ici, c'est le progrès dans la mécanisation technique. Hein. On est dans le chapitre sur la machinerie. « Et non seulement un progrès dans l'art de piller le travailleur, au moment de l'exploitation, mais aussi dans l'art de piller le sol. » Et c'est bien le même terme, « piller », qui va être employé dans les deux cas. Un peu plus loin, « si bien que la production capitaliste ne développe la technique qu'en reniant dans le même temps, qu'en ruinant dans le même temps les deux sources de toute richesse, la terre et le travailleur, la travailleuse. » On a bien ici deux critères de dénonciation qui sont unis par une même catégorie, le pillage. Et alors Marx parle parfois d'extraction, l'extraction, comme ce qui est un prélèvement plus intense que ce qui va être restitué. On prélève du travail un produit plus grand que ce qu'on lui restitue. On prélève de la terre. Alors le concept de terre chez Marx, c'est un concept générique pour dire les conditions naturelles de production. On prélève de la terre quelque chose de plus important que ce qu'on lui restitue. Et ce qui est l'objet de cette extraction est désigné par le même terme de force. Pour désigner le travail et pour désigner les conditions naturelles de production, Marx va employer le terme de Kraft, force, en parlant de force de travail et des forces naturelles. Et on a, du coup, on peut parvenir à une définition large de la domination capitaliste, donc du travail et de la terre, comme l'extraction de force, humaine ou naturelle, qui serait destructrice pour la vie. Et à partir de là, on peut envisager maintenant une extension du modèle
marxien, marxiste de la crise écologique, au-delà de la problématique locale et limitée de l'épuisement des sols. Alors Marx lui-même s'est intéressé à la question de la déforestation, selon la même logique, hein. Donc un rythme de prélèvement des forêts primaires supérieur à leur restitution, à leur renouvellement. Et de manière très intéressante, c'est en lisant, alors c'est plus tard, hein, c'est après qu'il ait rédigé Le Capital, en lisant un physicien qui s'appelait Karl Frass, il a pris conscience de l'impact des déforestations sur l'écosystème local et le climat local. C'est-à-dire, en déforestant, on impacte l'humidité de l'air, le taux de rayonnement solaire sur les sols, et on peut modifier un climat. Et on a déjà quelque chose comme l'idée que l'activité humaine peut transformer au plus profond la nature. Il y a des phrases que Engels va reprendre de ces lectures que Marx a fait de Frass, où Engels dira des choses qui sont très proches de ce que disent aujourd'hui les gens qui sont partisans de l'anthropocène, au sens où mais là, même la croûte terrestre est transformée par l'activité humaine. Et je pense qu'en prenant ce nouveau modèle de la rupture métabolique, on peut l'appliquer à la crise climatique globale, si on prend en compte le fait qu'on a une rupture dans cette crise climatique par la crise du coup du réchauffement lié aux émissions de gaz à effet de serre. On a une rupture entre une loi naturelle de renouvellement du taux de carbone dans l'atmosphère, c'est le cycle du carbone, et elle est nécessaire pour la vie. C'est une loi naturelle de la vie au sens où elle est nécessaire pour, comme condition, une certaine vie, animale ou humaine. Rupture entre cette loi naturelle-là et la loi sociale qui conduit aux émissions massives de gaz à effet de serre, et qui va conduire, du coup, à la saturation de CO2 dans l'atmosphère et au réchauffement climatique. On a là le décalage en fait, entre deux cycles et deux temporalités, une temporalité au temps très long, hein, de la restitution d'un équilibre des taux de CO2 dans l'atmosphère, et une temporalité très courte et très rapide de l'augmentation exponentielle des émissions. Maintenant, j'allais montrer dans un deuxième moment en quoi consiste cette loi qui va conduire, cette loi sociale qui va conduire à l'émission massive de gaz à effet de serre. Donc il va falloir un peu maintenant détailler la tendance même du capitalisme qui conduit à cet effet, et qu'on peut, alors là encore, définir de manière très très schématique par un terme de productivisme capitaliste, je vais essayer de le définir. Donc, deuxième moment, hein, les causes spécifiquement capitalistes de la crise écologique globale. Et je vais parler en général, puis plus précisément de la crise climatique. Alors, pour analyser cette cause sociale, déjà, il faut remettre en cause un présupposé dominant, un certain discours écologique, une certaine idéologie écologique qui veut faire de la consommation et de la surconsommation, ou du consumérisme, la cause des dégradations environnementales. En imputant comme ça aux individus consommateurs la responsabilité, une responsabilité partagée par tout un chacun, et comme on peut le voir aussi dans les schémas, vous savez, où on va quantifier la quantité d'émissions de gaz à effet de serre par tête. Donc c'est très bien, on va pouvoir différencier des pays très, très gourmands et des pays moins gourmands, mais au sein de ces pays très gourmands, on va faire aucune différence entre un individu selon sa position sociale. C'est ça la responsabilité partagée dans la consommation. Et avec Marx, je pense, avec son analyse qu'il fait du fonctionnement même du capitalisme, on peut renverser ce présupposé en montrant que la production ne vise pas la satisfaction de besoins humains. Dans le mode capitaliste. Parce que l'idée selon laquelle c'est en raison de la consommation qu'on transforme, qu'on impacte négativement l'environnement, suppose qu'un changement de cette consommation pourrait résoudre le problème. Et du coup, qu'un changement de consommation serait le facteur déterminant, comme si la production était guidée par les besoins de la consommation. Donc changeons nos besoins, et le problème sera résolu. Et c'est là adopter une perspective sur la société où c'est les choix individuels séparés les uns des autres qui, convergents, vont transformer la totalité. Donc c'est ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique qui n'a aucune conscience des contraintes structurelles qui pèsent sur ces choix. Et cette contrainte majeure dans l'économie capitaliste qui va déterminer la manière dont on produit, c'est ce qu'on pourrait appeler la valorisation des investissements. C'est-à-dire le fait de devoir dégager un profit d'un investissement pour qu'il soit rentable. Et la consommation dans ce système-là n'est pas une fin mais qu'un moyen pour pouvoir relancer le mécanisme d'accumulation. Et c'est cette logique de valorisation que je vais développer qui est fondamentalement incompatible avec l'écologie ou la durabilité de nos conditions naturelles d'existence.
Je suis un peu bavard. Oui. Je suis un peu à la moitié là, donc. D'accord. Déjà, j'ai envie de montrer comment on en vient à l'idée que cette logique du profit, en fait, serait contradictoire avec une durabilité écologique. Alors, durabilité pas au sens de société durable, hein, mais vraiment au sens de « on peut survivre dans 2 siècles ». Et pour ça, il faut montrer comment de l'exploitation du travail humain, qui est la base de la valorisation, on en vient à quelque chose qui serait l'appropriation destructrice de la nature. Alors, je vais revenir sur comment fonctionne la valorisation capitaliste de manière très succincte. C'est une théorie assez compliquée que Marx développe dans notamment le premier, les 3 premiers chapitres du Capital, du livre 1 du Capital. Mais de manière très simple, on peut dire que cette valorisation, c'est l'extraction ou le dégagement d'une plus-value entre 2 moments. Le moment où le capitaliste investit, c'est-à-dire il achète des moyens de production, il achète de la force de travail, et le moment où il va vendre le résultat de cet investissement, qui est la marchandise produite. Et pour que son affaire marche, il faut bien qu'il y ait un gain de valeur de la marchandise vendue par rapport à ce qu'il a acheté dans son investissement. Et aujourd'hui, les investisseurs ne sont plus les patrons comme individus, mais ça peut être l'ensemble des actionnaires notamment. Et c'est cette pression actionnariale qui va bien déterminer comment on produit. Bref. Marx suppose, et là il faudrait le démontrer, mais je n'ai pas le temps, que le travail est la seule source de la valeur. Et que cette source-là de la valeur, ou que cette valeur fondée par le travail, est mesurée par du temps de travail dépensé. Et donc, le gain de valeur entre l'investissement et la vente ne peut venir que du travail qui a été dépensé entre les 2 moments. C'est le moment où le capitaliste met au travail les salariés et s'approprie leur travail. Et c'est cela qui est à l'origine d'une plus-value. Et cette plus-value, ce gain de valeur, devient un profit en étant approprié par l'investisseur. Donc le capitaliste, qui ne rétribue pas le travail pour la valeur qu'il a engendrée, mais qui rétribue le travail pour un minimum nécessaire à sa subsistance. Le salaire qui va être sans cesse comprimé à la baisse pour garantir que le profit soit suffisant. C'est du différentiel entre la valeur réelle produite par le travail et la valeur rémunérée qui n'est que un minimum salarial que se dégage le profit. Voilà comment fonctionne la valorisation. Et comment de cette idée-là, on va pouvoir en arriver à l'idée à la conséquence d'une destruction des écosystèmes, de la nature. Ce n'est pas en prenant isolément la question de l'exploitation. Il faut voir qu'elle est insérée dans une logique de marché où les capitalistes sont en concurrence les uns les unes avec les autres. Et il y a une autre manière de dégager du profit que d'exploiter la force de travail. Cette autre manière-là, c'est de bénéficier d'un avantage dans le jeu de la concurrence. Par exemple, et notamment principalement, en développant sa productivité, en inventant une nouvelle technologie par laquelle on développe sa productivité. Et donc, ce faisant, on va pouvoir produire une même valeur à vendre sur le marché en ayant dépensé moins d'énergie, en ayant dépensé moins de temps de travail. Et c'est ce qu'on appelle un profit marginal ou une rente technologique. Et bien sûr, une fois qu'un investisseur développe une nouvelle technologie, du fait de son avantage, tous les autres auront intérêt à implémenter cette nouvelle technologie productive ou plus productive, comme la machine à vapeur, par exemple, pour pouvoir rester dans le jeu de la concurrence. Et on a une sorte d'enchaînement ou d'emballement en chaîne où tous les investisseurs vont investir sur la nouvelle technologie, ceux qui ont les capitaux nécessaires et ceux qui ne les ont pas vont faire faillite. Car leurs marchandises seront trop chères depuis le nouveau niveau de productivité qui a été atteint. Ceux qui n'ont pas réussi à acheter des machines à vapeur, voilà. Bref. On a donc une sorte de course au profit qui engrange une tendance à augmenter sans cesse la productivité globale de l'économie capitaliste qui s'accompagne, si on a conscience de ce qu'est la productivité, elle va s'accompagner d'une baisse du temps de travail nécessaire au niveau global. Pour produire une même quantité de marchandises, on aura besoin de moins de temps de travail. Or, si vous vous souvenez de ce que je dis juste avant,
La source même du profit capitaliste, c'est le temps de travail, qui va être ponctionné sur les travailleurs et les travailleuses. Et donc on fait face, et c'est ce que Marx développe assez tôt dans sa théorie, hein, dès les années 50, quand il y a ses premières esquisses sur la critique du capitalisme, une contradiction fondamentale du capitalisme, qui doit ponctionner du travail, et qui est mue par une tendance, du fait du jeu de la concurrence, à augmenter de façon exponentielle la productivité, et donc à diminuer de plus en plus cette source vive sur laquelle il fonctionne, qu'est le travail. Et une des solutions historiques qui a été trouvée face à ce problème, à cette contradiction du capitalisme, qui sape sa propre base, a été d'augmenter à la fois la productivité et à la fois la quantité absolue des marchandises pour garder le même temps de travail qu'avant. Il ne faut pas baisser le temps de travail total, mais il faut produire beaucoup plus. Et c'est ce qui se passe notamment dans l'époque fordiste, hein, avec la mise en place des chaînes de montage et le développement nécessaire et corrélatif d'une explosion de la consommation de marchandises pour absorber toutes ces nouvelles marchandises. Et c'est là qu'on voit que la surconsommation n'est rien d'une cause, mais elle est un effet de cette logique d'augmentation, d'accumulation capitaliste. Donc on peut définir, alors s'il faut, cette quête de produit. Alors on peut définir le productivisme, que j'ai essayé de localiser comme le nœud du problème écologique du capitalisme, comme la quête de productivité, que j'ai expliqué à partir de la concurrence des capitalistes, doublé du besoin de maintenir le même niveau de temps de travail, voire de l'augmenter. Et c'est ce qui conduit à une explosion de la quantité absolue de marchandises produites. Hein, Marx disait au début du Capital, le capital se présente à nous comme une immense accumulation de marchandises, mais c'est une accumulation qui ne cesse de croître même au niveau de sa dynamique. Et la conséquence va être, et là on commence à le voir, une pression de plus en plus forte sur les écosystèmes, dans la mesure où l'augmentation absolue de la quantité de marchandises produites va requérir une ponction de plus en plus forte de matières premières et d'énergie. Alors je vais commencer par la question des matières premières pour ensuite traiter de celle de l'énergie, qui est un peu plus compliquée. Pour comprendre pourquoi le capitalisme et comment le capitalisme dépend des matières premières, il faut distinguer la production industrielle qui va utiliser des matières premières de la production extractive qui va produire ces matières premières. Elle va extraire des matériaux et en faire des matériaux utilisables pour la production industrielle. Et contrairement à la production industrielle qui est insérée dans le cycle économique, la production extractive dépend de conditions naturelles extérieures au cycle économique, qu'il faut toujours pouvoir s'approprier. Le terme d'exploitation de la nature est un peu vague, il vaut mieux parler d'appropriation de la nature. On a une dépendance fondamentale de l'industrie vis-à-vis de l'extraction, et de l'extraction vis-à-vis des conditions naturelles disponibles. Il faut des lieux, des mines, il faut, etc., un ensemble de conditions qui sont extérieures, indépendantes. Et c'est à partir de cette dépendance-là qu'on peut comprendre l'expansion coloniale. L'expansion coloniale comme la réponse d'un besoin croissant et exponentiel des matières premières au moment où le capitalisme développe ce mode de production mécanisé. En Angleterre, notamment, début 19e, alors on a deux choses, hein, on a l'apparition de la machine à filer, la mule Jenny, activée par des machines à vapeur, et là on a des taux de productivité qui explosent de l'ordre de 0 à 20, et le besoin de matières premières en coton notamment, qui ne fait que croître, et une des solutions va être l'expansion coloniale pour s'approprier un ensemble de terres cultivables qui n'étaient pas disponibles sur l'espace restreint de l'Angleterre. Il y a du coup dans les théories écologiques un concept intéressant qui a été développé, celui d'hectare fantôme, pour mesurer non pas le taux d'exploitation du travail, mais le taux d'appropriation de terres extérieures à l'espace économique, mais nécessaires. Et donc on importe des terres des colonies en exportant en quelque sorte la crise écologique dans ces colonies. Et on a pu mesurer, notamment lors des études historiques, que par exemple pour la production de textiles anglais au début du 19e, 8 millions d'hectares de terres étaient requis d'exploitation cotonnière, alors que la surface même cultivable anglaise était de 6 millions d'hectares. Et il faut bien se rappeler également que cette appropriation de la nature dans les colonies se doublait d'une surexploitation du travail dans ces colonies-là, avec un travail basé sur l'esclavagisme. Maintenant, qu'en est-il du besoin énergétique du capitalisme, et pas seulement du besoin en matière première? Alors, en fait,
L'énergie, notamment sous sa forme fossile, est une matière première. Et même la matière première fondamentale dont toutes les sphères de la production dépendent. On a un économiste, alors c'est un des premiers économistes de l'énergie, il s'appelle Jevons, c'est un économiste anglais, qui a une définition intéressante de l'énergie, du charbon notamment. Il dit, alors, en 65, au moment où on commence à prendre conscience de la rareté possible du charbon, en vérité, le charbon ne se situe pas à côté, mais totalement au-dessus de toutes les autres matières premières. C'est l'énergie matérielle du pays, l'aide universelle, l'élément de base de tout ce que nous faisons. On peut dire qu'il a quelque chose comme... on pourrait la définir comme une matière première structurante, en fait, qui est requise par toutes les sphères de la production, et qui, dans sa consommation, va conduire, notamment, comme on le sait, à une perturbation majeure du cycle de l'écosystème climatique par la saturation en gaz à effet de serre, en CO2. Et on peut montrer que l'augmentation de productivité, la croissance exponentielle de productivité, est rendue possible par une substitution énergétique. On passe d'un modèle d'énergie renouvelable, de flux, comme on dit, à des énergies fossiles, de stock. Notamment avec, dans le capitalisme anglais, le rôle qu'a pu jouer la machine à vapeur. Et cette tendance, alors, elle a pu avoir lieu à cette époque-là, une première époque, mais elle est particulièrement frappante dans l'époque récente de la restructuration du capitalisme, donc époque qui va de des crises pétrolières des années 70, notamment, à aujourd'hui. Si on regarde l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, c'est absolument frappant. La moitié de la quantité absolue des tonnes de gaz à effet de serre qui ont été émises depuis le début de l'ère industrielle, depuis 1751, a été émise depuis 1986. Entre la décennie 90 et la décennie 2000, le rythme d'émission de gaz à effet de serre a été multiplié par 3. En fait, on peut l'expliquer parce que cette époque récente de restructuration a été fondée sur deux phénomènes centraux, hein, celle notamment d'une automatisation des chaînes de production, automatisation qui est un développement technologique très gourmand en énergie, et deuxièmement sur une délocalisation des centres de production qui s'accompagne d'une circulation à l'échelle mondiale des marchandises, d'une explosion des transports, de fret, etc. Et la tendance à la hausse des émissions répond ici, on voit bien, d'une contrainte structurelle de l'économie capitaliste qui n'a rien à voir avec la satisfaction des besoins des individus vivant dans nos sociétés. Et on peut illustrer cette contrainte structurelle qui est proprement irrationnelle, au sens où elle ne répond pas de ce qu'on attendrait, en fait, d'une économie qui fonctionne bien. On peut l'illustrer à partir d'un paradoxe qui a été énoncé par le même économiste que je viens de citer, Jevons, au 19e, quand il s'intéressait à la raréfaction du charbon dans les mines de charbon. Il avait noté une corrélation de la croissance de l'efficacité énergétique des machines à vapeur. Alors l'efficacité énergétique, c'est la quantité de valeur ou de marchandises qu'on peut produire à partir d'une même unité d'énergie. Donc, la croissance de l'efficacité énergétique qui se double de façon systématique d'une augmentation de la consommation de charbon. Alors, si on avait une société rationnelle dans laquelle, lorsqu'on voulait satisfaire ses besoins, on n'aurait pas besoin, on n'arriverait pas à penser, c'est ce paradoxe. Aujourd'hui, c'est tout aussi frappant, si on prend le dernier quart de siècle du XXe siècle, on prend les pays centraux du capitalisme, le Japon, les États-Unis, la France, l'Europe, tout ça. On peut mesurer une augmentation de 40% de l'efficacité, alors non pas énergétique cette fois, mais carbonée, on appelle l'efficacité carbone de la production. C'est la quantité de carbone qui est émise dans l'atmosphère pour une même unité énergétique. Et paradoxalement, 25% d'augmentation des gaz à effet de serre dans ces pays. Et cette corrélation paradoxale, on ne peut l'expliquer qu'à partir de la logique productiviste que j'ai énoncée tout à l'heure, selon laquelle on n'a pas un ensemble de besoins définis à l'avance qu'on va satisfaire par la production, mais une sorte de pression constante d'augmentation de la productivité, et qui se double en fait d'un encouragement de l'investissement là même où le prix de l'énergie diminue. Alors, au lieu de réduire la consommation d'énergie là où le prix diminue, au contraire, ça va encourager l'investissement et faire exploser leur consommation. Il y aurait d'autres paradoxes à développer, je vais en tenir à celui-là. Maintenant, il faut se garder en fait d'avoir une explication strictement, ou de manière réductionniste, une explication strictement économiste
de la manière dont le capitalisme emploie les énergies, de la manière dont il a pu passer d'un usage d'énergie renouvelable au début 19e à des énergies fossiles. Ce choix énergétique traduit aussi des choix politiques, des choix de domination politique. Il y a des très bonnes études qui ont été publiées récemment, notamment en 2016, donc c'est un auteur anglo-saxon, Andreas Malm, qui publie un ouvrage intitulé Capital Fossile, Fossil Capital, dans lequel il essaye de comprendre pourquoi le capitalisme anglais a d'un coup employé en manière très massive la machine à vapeur, tandis que les filatures, hein, qui employaient des métiers à tisser, des métiers à filer, automatiques, pouvaient être alimentés par des moulins à eau. Et au moment où on a commencé à implémenter la nouvelle technologie des machines à vapeur, elle était bien plus coûteuse, en fait, à ce moment-là, en raison du coût de l'extraction du charbon qui n'était pas très efficace, en raison du manque d'efficacité des machines à vapeur à l'époque, elle était plus coûteuse, en fait, que l'utilisation des moulins à eau. Et la réalité, c'est l'avantage qu'offre le charbon en termes de flexibilité spatiale. Par le charbon, on peut déplacer les centres de production où on veut, notamment dans les centres urbains, et on n'est pas obligé d'aller produire là où la nature nous donne tel ou tel flux, tel ou tel cycle d'énergie renouvelable. Et cette concentration urbaine a permis de garantir un contrôle social plus important sur les travailleurs et travailleuses, notamment parce que, tandis que l'économie était encore localisée et répartie dans des campagnes, les travailleurs et travailleuses pouvaient avoir une subsistance autonome vis-à-vis du marché, pouvaient avoir accès à une production agricole parcellaire et de subsistance. Tandis que concentré dans les pôles urbains, on a un mouvement de prolétarisation plus intense, où les travailleurs et travailleuses vont dépendre intégralement de l'économie capitaliste et être soumis de façon d'autant plus vulnérable à des logiques de contraintes du capitalisme. Et donc on peut faire presser à la baisse des salaires, etc., etc. Maintenant, si on prend la transition de l'énergie carbonée basée sur le charbon à l'énergie carbonée basée sur le pétrole, on a une autre très bonne étude, qui s'appelle Timothy Mitchell, un Américain qui écrit un bouquin qui s'appelle La démocratie carbone, dans laquelle il montre que l'usage de pétrole pour alimenter les chaînes de production, début XXe siècle, répondait avant tout d'une volonté de peser dans le rapport de force contre les ouvriers et ouvrières des bassins miniers. Parce que l'énergie charbon était extrêmement gourmande pour son extraction en bras, en main d'œuvre, et rendait l'économie dans sa totalité très vulnérable aux grèves ouvrières dans les bassins miniers. Tandis que le pétrole est beaucoup moins dépendant du travail, et pouvait être délocalisé dans sa production dans des lieux de la marge du capitalisme beaucoup moins ancrés dans des traditions de lutte, notamment au Moyen-Orient. Et donc, le passage de l'énergie carbonée à l'énergie, dans l'énergie charbon à l'énergie pétrolière, est une condition du Fordisme, du développement du Fordisme, qui se fondait non seulement sur l'automatisation, donc sur ces chaînes de production, mais aussi sur la pacification sociale. Alors j'ai, comme ça, pu montrer qu'il faut se garder d'une part d'un déterminisme technologique qui dirait que c'est l'invention de la machine à vapeur en soi, c'est la civilisation moderne qui serait la source de la crise écologique, mais il faut aussi se garder d'un déterminisme strictement économique, au sens où c'est pas juste des logiques de marché et des logiques de prix qui ont pu déterminer le choix énergétique, mais aussi des logiques de domination sociale entre des classes opposées. Une manière de vouloir contrôler, s'approprier le travail par la classe capitaliste. Alors je vais faire de manière assez rapide, et puis de toute façon ce sera l'objet d'un débat, je pense, une troisième partie qui porte sur la possible résolution de cette crise écologique du capitalisme. Comment peut-on la penser si elle est causée par le capitalisme? Alors c'est presque une question rhétorique, vous voyez où je veux en venir. De la nécessité d'un dépassement révolutionnaire de la crise écologique. Alors, vous avez pu le sentir jusqu'à présent, en fait, la manière dont on explique les causes, donc l'étiologie de la crise écologique, induit de manière implicite une perspective politique, une thérapie. Par exemple, si on dénonce le consumérisme moderne, la résolution envisagée va être la transformation éthique des pratiques. Par exemple, ce qu'on a pu appeler la sobriété heureuse, un ascétisme moral, etc. Et dans le débat, on pourra revenir sur la pertinence d'un tel choix comme modèle de transition. Maintenant, je pense qu'une juste compréhension telle que j'ai essayé de l'apporter, de l'argumenter, des causes structurelles de la crise écologique
doit permettre de justifier une perspective de transformation sociale radicale qui passe pas par des choix individuels, mais par une lutte révolutionnaire qui vise à bouleverser dans ses fondements cette logique de valorisation propre au capitalisme. Pour cela, je vais commencer par me demander en fait si de la crise écologique on peut induire une fin nécessaire du capitalisme. Est-ce que la crise écologique va mener à la crise du capitalisme en quelque sorte ? Et la crise du capitalisme ici est conçue comme une crise dont le capitalisme serait l'objet et pas que la cause. Mise en crise du capitalisme, si vous voulez. Il y a tout un débat là-dessus dans les écrits éco-marxistes. Notamment, il y a une tradition qui cherche à souligner le péril interne de la crise écologique pour le capitalisme. Alors, il y a un auteur qui a développé ce concept que vous avez peut-être déjà croisé de seconde contradiction du capitalisme. La première contradiction, c'est celle que j'ai développée avant, entre le capital et le travail. Et la seconde contradiction serait celle du capitalisme avec ses propres conditions de reproduction qui sont naturelles. Donc l'écologie mènerait, enfin les contraintes écologiques mèneraient le capitalisme à sa perte. Il y a un auteur très récent, très, très, très à la mode aujourd'hui, il s'appelle Jason Moore, un Américain, a essayé de retraduire une sorte d'hypothèse un peu ambitieuse de Marx, qui est la baisse tendancielle du taux de profit, qui vise à montrer qu'il y a une tendance à la crise du capitalisme, une tendance vers l'effondrement, et essayer de la retraduire en termes écologiques en montrant que les contraintes écologiques vont renforcer cette tendance à la crise. Je n'ai pas le temps d'expliquer en détail comment elle fonctionne. De manière très simple, on pourrait dire que l'augmentation du coût des matières premières et l'augmentation du coût de l'énergie, qui peut être une des conséquences de l'épuisement des ressources et du réchauffement climatique, pourrait impacter le taux de profit du capitalisme. Comment ? Parce que en fait, ils investissent, ça leur coûte de plus en plus cher d'acheter des machines, ça leur coûte de plus en plus cher d'acheter des matériaux, et ils peuvent dégager de moins en moins de profit sur le travail relatif à cet investissement. Et on peut comprendre, je pense, alors il y a une certaine vérité à cette idée, à cette théorie-là, que le capitalisme peut craindre quelque chose de la crise écologique. Et un des symptômes de cette crainte-là, c'est l'ensemble des réglementations écologiques qui sont discutées, entreprises, par les États et par les organisations d'États, dans des réglementations sur les régulations climatiques que vous connaissez, qui en sont très médiatisées, qu'on connaît très bien. Par exemple, l'obligation de recycler l'aluminium dans certains États des centres obéit à un impératif de rentabilité. On pourrait aussi prendre l'exemple des négociations climatiques du point de vue interétatique. Pourquoi, du coup, les États capitalistes ont besoin d'essayer, en tout cas, de réguler les crises écologiques ? À mon sens, on peut parler d'une gestion étatique. Alors, le terme gestion est important, parce qu'il s'oppose à résolution. Une gestion étatique de la crise du capitalisme qui fonctionne sur le même modèle que la réglementation du travail, telle qu'elle a été engagée au XIXe siècle notamment, et puis aussi du coup dans l'intégration ouvrière du grand XXe siècle, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse les capitalistes faire sans État ? Imaginons une société aux concurrences acharnées entre des capitalistes individuels. Après moi le déluge, hein, c'est l'expression que Marx emploie pour définir l'attitude des capitalistes qui sont dans la concurrence acharnée. Le but est d'augmenter le plus vite possible et le plus sauvagement le taux de profit. Et sur les travailleurs, ça s'est traduit par des journées de travail de 16 heures, une extension complètement démente de la journée de travail. Ça s'est traduit par des salaires à la baisse, à la limite de la survie. Et finalement, par une destruction de la force de travail elle-même. Disons affaiblissement physique des ouvriers, ouvrières, baisse de la durée de vie. Et au final, une autodestruction par le capitalisme de sa propre base vivante. S'il n'y a plus de travailleurs, on ne peut plus dégager de profit. Et donc là intervient l'État, et l'État en coopération avec des luttes syndicales aussi, il faudra voir comment ça fonctionne pour l'écologie, mais intervient l'État pour réglementer le travail et offrir une certaine durabilité au processus capitaliste d'accumulation. Et en fait, c'est la même chose, d'une certaine manière, qui se passe dans l'écologie. Si on laisse faire les capitalistes individuels, ben ils pètent tout. Enfin, ils défoncent les puits de carbone, ils vont émettre des tonnes de CO2 hyper, hyper toxiques dans l'atmosphère, etc. Donc il y a des tentatives de régulation écologique qui peuvent être pensées comme une gestion de la crise écologique pour qu'elles remettent moins en cause l'impératif de faire du profit, qu'elles soient moins délétères pour cet impératif-là. On peut prendre l'exemple, alors le paradoxe, hein, c'est qu'il y a toujours la norme du profit
à laquelle on a fait ode, la norme écologique. C'est pour garantir un meilleur taux de profit. Et si on prend l'exemple, par exemple, en Allemagne, hein, on a des taxes sur l'électricité qui ont été mises en place, des taxes sur l'électricité à base carbone, à base charbon, qui ont permis de financer des projets d'électricité durable, d'investissement sur des panneaux solaires. Et cette taxe assez lourde a été exemptée pour 3000 industries lourdes et très polluantes pour ne pas remettre en cause leur compétitivité internationale, donc leur taux de profit. Autre exemple de contradiction, protocole de Kyoto 97, l'objectif affirmé, réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre pour 2012. Réalité, entre la période du protocole de Kyoto et aujourd'hui, augmentation de 61% la masse d'émissions. Et cette passivité, malgré tout, des capitalistes du point de vue de leur organisation dans des États, traduit peut-être que la crise écologique n'est pas si dramatique pour le capitalisme lui-même. On peut envisager une série de contre-tendances, hein, dire des choses qui vont peser à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, une réduction du taux de profit. Maintenant, il y a des endroits où peut-être la crise écologique pourrait être favorable à l'accumulation capitaliste. Alors, j'en dégage plusieurs assez rapidement, mais dans les zones tempérées dans lesquelles sont concentrés les centres du capitalisme, on a pu évaluer que la crise écologique pourrait engendrer une meilleure productivité agricole, contrairement aux zones subtropicales qui, elles, seraient complètement asséchées. Et on a, alors c'est intéressant, enfin, je trouve la citation, c'est un député du Michigan, du Montana, état agricole américain, qui en 2011 voulait faire passer une loi qui, dans son texte, énonce cet avantage. Il dit « Le réchauffement climatique est bénéfique pour le bien-être et le climat des affaires du Montana en raison d'une saison de croissance prolongée pour l'activité agricole. » Voilà, exemple. Ensuite, si on est très cynique, on pourrait envisager que... Voilà, c'est un exemple un peu radical, mais c'est un vrai travail de recherche qui est derrière, d'une chercheuse indienne, que l'augmentation du niveau des océans au Bangladesh ou dans des zones très vulnérables à cette augmentation-là pourrait conduire, en fait, à une vague d'expropriation des populations, elles perdent leurs terres, et une vague de prolétarisation, elles sont toutes jetées du coup sur le marché du travail, une vague de prolétarisation qui serait bénéfique pour renforcer le taux d'exploitation. Troisième exemple, développement de la financiarisation des risques climatiques par des pratiques assurantielles. Alors on a des méga complexes publics-privés qui se mettent en place pour gérer la gestion des catastrophes par des systèmes assurantiels dans lesquels l'investisseur, si la catastrophe n'a pas lieu, va faire du profit. Si elle a lieu, va perdre son investissement. Et on a même dans le rapport du GIEC, c'est les experts sur le climat de 2014, une consigne d'obligation assurantielle pour les pays du Sud, une pratique néo-impérialiste s'il en est, qui vise une adaptation au réchauffement climatique. C'est le terme employé. Donc on est dans une phase où le capitalisme n'envisage plus la résolution, mais l'adaptation. Une adaptation qui ne serait pas contradictoire avec sa logique de profit, et qui dans certains cas pourrait même lui être bénéfique. Donc si le capitalisme lui peut s'adapter du fait de sa malléabilité immense, ceux et celles qui ne peuvent pas par contre, ce sont les populations les plus vulnérables, et on peut en mentionner deux, hein. Ce seront les principalement les populations en voie de prolétarisation des franges du capitalisme, qui dépendent essentiellement de la nature pour leur existence quotidienne, par exemple la population bengale, les prolétaires les plus défavorisés des centres du capitalisme, notamment racisés. Si on prend l'exemple de la catastrophe climatique, en partie climatique, de l'ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans, la plupart des victimes ont été des populations noires américaines qui n'avaient pas accès à un bâti suffisamment solide et suffisamment bien placé. En fait, c'était les zones les plus inondables dans lesquelles ils vivaient. D'où la nécessité d'envisager une lutte écologique, hein, contre le capitalisme, mais lutte écologique qui doit être pensée comme un facteur de radicalisation et non pas de pacification sociale. Alors je vais juste mentionner un ouvrage qui est très important parce que c'est une somme d'informations, une perspective politique, disons qu'il y a un très grand écho médiatique, c'est l'ouvrage de Naomi Klein qui s'appelle « Le climat change tout, capitalisme et changement climatique ». Et elle souligne l'intérêt stratégique de la crise climatique comme situation d'urgence pour relancer une lutte globale contre ce système. Mais dans cet ouvrage, elle conserve une perspective qu'on peut dire gestionnaire, qui vise
son objectif, c'est la mise en place de régulations strictes, par exemple des transports, du taux d'émission de gaz à effet de serre, une régulation de l'économie par des États associés au niveau global. Et cette régulation serait la conséquence d'une prise de conscience globale, prise de conscience qui se traduirait du coup par des mesures politiques. Et en fait, à mon sens, c'est une sorte d'idéalisme politique qui ne considère l'État que comme un relais d'une conscience collective, et non, comme j'ai tenté de le montrer, un instrument politique au service d'une classe. Il gère l'intérêt collectif des capitalistes individuels. Au contraire de cette perspective, là j'envisage assez rapidement, on en discutera, je ne sais pas, une perspective révolutionnaire qui doit être radicalisée et qui se traduirait donc par l'abolition de la propriété privée qui est défendue par l'État, mais aussi par l'abolition du travail. Un certain type de travail, une certaine définition du travail, et on va voir ce que ça veut dire. Mais avant de le faire, juste mentionner, pour éviter un utopisme, on pourrait dire interventionniste, trois obstacles nouveaux à la lutte qui sont spécifiques au contexte écologique et qui ne sont pas, disons, traditionnellement pris en compte par les luttes ouvrières. D'une part, on a une dissociation sociale forte entre le segment de la classe dominé qui est touché par les crises écologiques dans ses conditions immédiates d'existence, quotidiennes. On pourrait parler des petits paysans et paysannes du Sud en voie de prolétarisation. Et le segment de la classe qui, étant intégré dans le circuit de l'économie globale, au centre de cette économie-là, peut peser dans le blocage de la production. C'est les ouvriers, ouvrières de l'économie industrialisée. Et parfois, il y a même une contradiction possible d'intérêt, dans la mesure où, dans certaines luttes syndicales, il y a une objection forte qui va être avancée contre des perspectives écologiques, quand on est dans des secteurs qui, alors on pourra peut-être en parler, mais des secteurs qui dépendent en fait d'une activité écologiquement incompatible, que ce soit le nucléaire ou que ce soit le domaine de l'extraction minière du charbon, par exemple. Mais contre ces difficultés, et je pense que c'est important d'envisager de nouveaux modes d'action, qui irait au-delà de la grève, donc grève qui se situe dans ces centres de l'économie, mais qui peuvent consister en des blocages de l'extraction. Parce que dans ces zones justement marginales du capitalisme, c'est là où les matières premières sont prélevées, et on a des luttes qui sont menées en Amérique latine, notamment de blocage de l'extraction minière, pétrolière et de matières premières directement sur les sites. Mais des luttes difficiles à mener parce qu'on fait face à des états policiers et militaires. Deuxième obstacle, la dissociation géographique, qui est un peu similaire au premier obstacle en fait. Une dissociation géographique forte entre les causes du réchauffement climatique et les effets visibles et vécus. Hein, si on prend par exemple la dissociation entre les gaz à effet de serre qui sont émis massivement dans des pôles industriels comme l'Europe de la Roure, le bassin minier de la Roure, la Chine, etc. Et les cyclones qui vont frapper les Caraïbes, la sécheresse au Sahel et la montée des eaux au Bangladesh. On a bien une situation différente de l'exploitation du travail dans laquelle la négativité, la souffrance est vécue sur le lieu de production et directement articulée à l'identification d'un objet. Peut-être pas immédiatement, mais en tout cas facilement à un objet que serait le mode de production capitaliste, à un adversaire que serait la classe des capitalistes. Et pour garantir en fait cette continuité, il est important, à mon sens, de développer une conscience écologique de classe à une échelle globale. Vraiment, là, encore une fois, de mettre l'accent sur cette solidarité internationale entre des pôles différenciés. On ne peut pas penser la lutte, en fait, uniquement à l'échelle d'un État-nation, pour le dire en quelques mots. Et enfin, dernier obstacle, et pas des moindres, c'est le décalage temporel, en fait, entre le délai d'une action climatique urgente, hein, qui se joue maintenant dans l'espace d'une génération, c'est-à-dire qu'on a jusqu'à 2050, c'est 4 degrés qui sont dépassés si on ne fait rien, 4 degrés qui sont dépassés, c'est l'emballement total des cycles de régulation du système Terre, c'est-à-dire, alors pour le faire vite, hein, si les océans se réchauffent, ils captent moins de CO2, si la toundra fond, on a un dégagement énorme de gaz, de méthane dans l'atmosphère qui multiplie de manière exponentielle le réchauffement climatique, et si on a tous les gaz qui fondent, on a une diminution du degré de réfléchissement des rayons solaires dans l'atmosphère, ce qu'on appelle l'albédo, qui renforce encore une fois, donc on a une sorte d'emballement total. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a une génération pour agir, si on veut sérieusement penser le maintien de conditions d'existence dignes pour la plupart de la population.
Il y a toujours certains qui vont réussir à se bunkériser, à garantir. Enfin, les capitalistes, ils n'ont pas si peur que ça, en fait, de la crise climatique. Et cette temporalité très courte, hein, d'une génération, et la temporalité assez longue, selon laquelle on pense habituellement la transition vers une société communiste, hein, si on parle de révolution. C'est-à-dire une révolution radicale, de fond de la société, avec un renversement de la propriété privée, et, qui a été pensée habituellement comme une transition. Transition qui peut durer plusieurs générations, qui aboutirait dans une temporalité repoussée à un avenir lointain à la société désirée. Et c'est précisément cette idée de transition qui ne fonctionne peut-être plus ou peut-être mal face à la question écologique. Alors non pas simplement, alors c'est là que je vais avancer vers une perspective radicale, pas simplement en raison de sa temporalité inadéquate, mais aussi dans le fait que cette phase transitoire, n'étant pas encore communiste, conserve certains présupposés de la société capitaliste dont elle émerge. Parmi lesquels le productivisme. Pourquoi ? Parce que, alors, la phase de transition se conçoit alors, à la fois chez certains idéologues soviétiques, mais aussi dans certains textes de Marx, c'est pour ça que j'avais intitulé le truc « Au-delà de Marx ». Alors, elle peut se concevoir comme une phase intermédiaire où persistent des critères économique, qui était ceux du capitalisme. Alors il y a un texte de Marx, la critique du programme de Gotha, dans laquelle il va montrer que l'échange d'équivalent entre un travail fourni et sa rétribution, et du coup sa rétribution par un État, va encore être la norme à partir duquel on va évaluer la production. Et l'échange d'équivalent, c'est la norme qui était celle de la valeur abstraite du capitalisme, de l'argent. Et donc on peut imaginer que dans cette phase de transition, le salariat lui-même est d'une certaine manière transposé au niveau étatique avec un État qui emploie des travailleurs et des travailleuses tout en conservant également l'impératif de productivité. Alors c'est pas Marx qui le dit, mais c'est ce qui s'est passé de manière assez intense dans les pays soviétiques, parce que cet État-là, c'est un État qui, dans son jeu de concurrence internationale, reste capitaliste, doit conserver une compétitivité de son taux de productivité globale. Et en fait, dans cette phase de transition, on imagine que l'évaluation du travail, de la valeur du travail par le temps de travail, reste centrale. Et Marx lui-même ne se détache jamais véritablement. C'est assez compliqué, mais c'est pas évident. De ce critère-là, qui fait du coup de l'émancipation, c'est quoi s'émanciper ? C'est réduire le temps de travail et dégager une sphère de liberté, le temps libre. Ils n'ont pas pensé la libération de la vie par rapport à la contrainte du temps. Contrainte du temps qui est la base de l'impératif de productivité. Et en fait, c'est dans cette séparation du temps de travail et du temps libre que Marx a pu, de manière métaphorique, penser comme une séparation entre le domaine de la nécessité, où on travaille, et le domaine de la liberté, où on s'active de manière libre. C'est dans cette dissociation-là que se cache un des ressorts du productivisme dont pourrait s'affranchir, ou dont devrait s'affranchir, à mon sens, un communisme écologique, en défendant l'idée d'une abolition du travail productif, c'est-à-dire d'une abolition du travail comme une activité contraignante et scindée du reste de la vie, de l'existence. On peut imaginer que l'activité, du coup, serait plus orientée vers une économie permanente de temps, parce qu'elle, en soi, elle serait vécue, en fait, comme une manière de s'activer, de se réaliser, et non pas une manière de devoir faire quelque chose le plus vite possible, de manière à vivre après. Et du point de vue écologique, donc, cette abolition du travail ne doit pas attendre l'avènement d'une société future, donc cette phase de transition assez longue, mais être revendiquée comme une pratique immédiate qui peut se jouer à différentes échelles, au sein même des luttes, et pas au-delà de ces luttes-là. Donc je m'arrête là, et je pense que cette dernière partie est très spéculative, et on peut y revenir, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez revenir également. Je suis désolé si j'ai été très bavard, je pense que j'ai parlé un peu plus qu'une heure, c'est... Ouais. Et c'est notamment dans ce texte, hein, Idéologie allemande, que Marx met en place la conception de l'histoire qui fait du développement de la productivité capitaliste, hein, donc ce qu'il appelle la croissance des forces productives, la condition pour l'émancipation communiste. Et pas seulement
du fait qu'il y aurait une abondance de biens produites, abondance qui permettrait du coup de travailler moins et de dégager la sphère du loisir sur la sphère du temps libre, du temps de travail, mais également parce que du coup dans ce temps libre qu'on dégage, on peut se former. Et on peut se former à plein d'activités différentes pour, dans la production, ne pas être un travailleur spécialisé et pouvoir travailler tantôt là, tantôt là-bas. Est-ce quand il parle d'homme universel, d'homme prométhéen, alors je sais plus ce que c'est, l'homme total, hein, c'est l'expression. Cet homme total, c'est celui qui, du fait qu'il ait du temps libre, il a pu se former pour le travail. Pour pouvoir, dans le travail, du coup, être l'ingénieur, le travailleur, le monteur, etc., etc. C'est un peu cette idée de. C'est comme ça que les deux sont articulés, hein, homme total et libération du temps par la croissance des forces productives. Et ce modèle-là, à mon sens, voit dans le capitalisme une phase préalable nécessaire à l'avènement d'une société meilleure. C'est vraiment, il y a un moment, une dimension progressiste dans le progrès technologique du capitalisme. Et Marx n'abandonne jamais tout à fait hein, ce schéma-là. Parce que dans le programme de Gotha, il souligne hein, souvent aussi l'idée qu'on a une base productive qui est accrue par cet héritage et qui permet ensuite de libérer le temps libre. Seulement, on a une nuance qui est apportée, mais elle n'est pas apportée à ce niveau-là. Ouais, je crois que c'est encore plus tard, hein, c'est la fin des 70, début 80. Marx va discuter avec les Russes. La Russie, c'est un pays qui n'est pas capitalisé à l'époque. C'est un pays qui repose sur une production économique encore pas mal agraire, avec une économie de subsistance qui est organisée de manière collective au niveau rural. C'est un modèle qui a pu être prôné comme une nouvelle forme politique par les populistes russes. Et il demande à Marx, mais qu'est-ce que tu nous conseilles, nous, en Russie? Enfin, c'est une des populistes, ou proche des populistes, qui lui demande, mais est-ce qu'en Russie, on doit se capitaliser pour pouvoir accéder à la société future? On ne peut pas envisager une transition à partir de ces communautés rurales qui, elles, ont des formes de sociabilité peut-être plus intéressantes, des formes d'organisation plus intéressantes. Est-ce qu'on ne va pas, du coup, se jeter dans la gueule du loup en voulant développer les forces productives russes? Et ça, c'est un débat qui est central hein, au début de la Révolution russe aussi. Hein. Dans les années 20-21, est-ce qu'il faut moderniser alors c'est justement les mencheviks ou est-ce qu'il faut directement vouloir la Révolution quoi. Et en fait, Marx, dans ses lettres inachevées qu'il écrit à comment elle s'appelle ? Vera Solich. Dans ces lettres-là, il va évoquer l'idée que la transition par le capitalisme n'est pas nécessaire pour la cité future. Alors, il nuance, quoi. On peut envisager une transition au communisme qui ne passerait pas par cette phase préalable. Mais pourquoi ? Parce que les technologies productives ont déjà été développées ailleurs. Grâce au capitalisme, on peut les importer. Mais ça marche chez Marx parce que pour lui, la technologie, c'est un outil qui est neutre. Si la technologie est écologiquement destructrice en capitalisme, c'est parce qu'elle est utilisée pour la recherche du profit dans son intégration par le marché. Mais l'outil technologique, lui, pourrait être réimplanté et mis au service d'une société qui serait écologiquement compatible. Là, moi, j'extrapole sur la question écologique. Marx ne parle pas du tout de problématique écologique à ce niveau-là, mais c'est juste que, voilà, c'est à ce niveau-là que la remise en question du schéma des forces productives et tout ça apparaît. Mais qui n'est jamais remis en cause entièrement. Question en même temps, donc ça va être compliqué, mais sur la possible mise en crise du capitalisme comme système, comme mode de production économique par les crises écologiques, hein, raréfaction des matières premières, réchauffement climatique, baisse du taux de fertilité. En fait, il faut distinguer à ce niveau-là le capitalisme mondial et des capitalismes nationaux. Parce qu'il y aura certains capitalismes nationaux qui vont très bien s'en sortir, notamment les États-Unis, qui n'ont pas du tout encore beaucoup bien attaqué leurs ressources pétrolières, par exemple. Et de manière prévoyante, qui peuvent aussi développer de nouvelles technologies comme le fracking et tout ça pour l'énergie, et qui ont des espaces naturels très très vastes et encore peu entamés. Et on peut comprendre des politiques actuelles de repli nationaliste à la Trump, et de déni du coup de la question climatique, comme des manières de vouloir sauver un terrain capitaliste, mais du coup à l'échelle nationale. Donc peut y avoir une crise de la coopération mondiale des capitaux, qui irait vers du coup des situations de tension et de conflit inter-État,
Mais il y aurait des États capitalistes qui pourraient très bien s'en sortir, non. Dont les États-Unis. Et il y a donc c'est un type qui était passé ici, Daniel Tanuro, faire une conférence sur l'écologie il y a quelques années, qui mentionne dans son bouquin un rapport du Pentagone. Que fait, c'est quoi la politique publique à adopter pour les États-Unis en cas de confirmation de la crise écologique? Bah, il n'y a pas trop de crainte à avoir, il suffit de fermer les frontières, parce qu'on a plein de ressources naturelles, on a plein de pétrole sous le sol, et c'est ce qui se passe maintenant avec Trump. C'est-à-dire que c'était il y a quelques années, ce rapport-là, c'était début des années 2000. Voilà. Donc on peut interpréter des pratiques de sauvetage du capitalisme au niveau national contre l'échelle globale. Donc effectivement, même s'il y a une crise, elle ne va peut-être pas forcément être la même partout. Ouais. Ensuite, pourquoi moi j'insiste sur cette dimension-là de relativiser l'autodestruction du capitalisme par le climat, c'est pour souligner une stratégie politique de nécessité des luttes. C'est-à-dire que dans l'immédiat, dans les 30 ans qui viennent, c'est pas dans ces 30 ans qui viennent que le capitalisme va se péter la gueule. Il a encore. C'est-à-dire que les effets climatiques catastrophiques ont du délai pour vraiment être visibles. Par contre, ce qui ne peut pas attendre, c'est l'action politique qui pourrait contrebalancer les émissions massives qui vont avoir des effets du coup dans deux générations, non pas une génération. Du coup, c'est hyper important. Et il y a tout un débat justement dans l'écomarxisme actuel entre des gens qui vont défendre cette idée-là d'une autodestruction écologique du capitalisme et d'autres qui vont en souligner, au contraire, un interventionnisme politique. Et je pense que la seconde est plus raisonnable, rationnelle, du fait de la non-imminence, pour l'instant, d'une crise écologique du capitalisme. Quoi. Je pense... Voilà, et puis... Faire attention avec le discours catastrophiste aussi, enfin... Qui peut... Alors, je ne sais pas si j'ai eu une tonalité catastrophiste. Hein. L'idée, c'est vraiment d'engager les gens à se mobiliser sur ces questions-là, notamment dans une lutte vis-à-vis du capitalisme, pour éviter l'idée on ne peut rien faire parce que c'est l'humanité dans sa génération. Dire l'homme est responsable, nous sommes trop sur Terre, et la civilisation moderne, c'est des grandes généralités qui, du coup, vont conduire au catastrophisme. Mais je pense qu'une analyse plus fine des raisons de fonctionnement peuvent mettre entre parenthèses pour un temps ce catastrophisme-là. Ouais. Simplement pour juste une question. Le rapport de Marx à la nature. En fait, c'est ça, quoi. Le rapport de Marx à la nature, il le voit comment c'est, je sais pas si. J'ai cru lire, je sais pas si c'est vraiment de Marx, je veux dire, mon lait, c'est le. La nature, c'est le corps non organique de l'homme. Ouais. Donc ce rapport-là, qui est le rapport dialectique, en fait, ça permet de poser le débat en c'est un homme prométhéen, oui et non, dans la mesure où il est partie intégrante de la nature, et la nature elle est une construction aussi forcément humaine, enfin, d'un rapport social. Comment lui il l'envisage par rapport au mode de développement du capitalisme comment ça se traduit chez Marx tout au long de sa réflexion politique, philosophique et économique là. Ben, c'est pas facile d'apporter une réponse parce qu'en fait il bouge beaucoup. Quand on prend le concept de corps non organique de l'homme, on reste dans une définition fonctionnaliste de la nature. Parce que du coup c'est le corps non organique qui est lié au corps organique qui a une visée intentionnelle d'utiliser la nature pour accomplir une certaine fin. Et dans cette définition-là, la nature peut être coulée dans le moule de la fin que je cherche à accomplir. C'est une définition instrumentale. Et qui est héritée en fait de la philosophie de Hegel. Et Marx défend assez longtemps l'idée que la nature est historiquement et socialement construite au point de pouvoir toujours s'adapter aux fins qui vont être posées par l'activité humaine et intégrées, disons, dans ce processus-là. Et en fait, ça va être assez prégnant. Bah, un texte assez central, c'est des manuscrits des Grundrisse, années 50, où Marx va dire que, effectivement, le capitalisme, comme système économique, a accompli cette intégration de la nature. Il y a l'idée, et c'est très hegelien, que
dans ce développement des forces productives, le capitalisme reproduit la nature depuis son propre processus de reproduction sociale. Et même les déchets sont sans cesse réintégrés au cycle économique. Il n'y a pas d'extériorisation, d'externalité dans ce schéma-là. Et en fait, ce qui se passe dans le Capital, quand on lit le texte du Capital, on commence à avoir ce concept de conditions naturelles de la production. Et comme j'essaie de le montrer avec la différence de l'industrie extractive, plutôt de la production extractive et de la production industrielle, le concept de conditions naturelles de la production suppose une certaine extériorité de la nature vis-à-vis de l'activité socio-économique de l'homme qui est conditionnée par cette nature. Et en fait, à mon sens, l'émergence de ce concept-là et la prise de conscience d'une non-identité de la nature et des formes de vie sociale émerge précisément au moment où Marx s'empare de la question écologique et lit le scientifique dont j'ai parlé, Liebig. Et l'idée même qu'il puisse y avoir une rupture des échanges métaboliques entre, d'une part, les lois naturelles de la vie et d'autre part, les lois sociales, suppose une extériorité des deux moments. Et en fait, voilà, c'est comme ça on évolue. Je pense qu'on part en fait d'une philosophie hegelienne où la nature est identifiée, et où, identifiable à l'activité humaine, construite, constructible, à une théorie qui ne renie pas du tout le fait que toute nature est transformée par l'activité de l'homme. Il ne va jamais renier cette citation célèbre où il dira même Feuerbach n'avait pas vu que toute nature est transformée par l'activité. Même le cerisier n'a rien de naturel, c'est transformé par la sélection, par le commerce, etc. Ça, il ne le renie pas. Mais c'est une transformation qui n'est pas malléable. On transforme la nature, mais on ne maîtrise pas tous les effets que cette transformation peut avoir, par exemple. C'est ce qui se passe dans le changement climatique. C'est quoi le changement climatique? C'est qu'on transforme même ce qu'il y a de plus naturel, hein, qui est le contexte du climat. Mais pourtant, ce n'est pas ici une nature qui est adaptée à la finalité humaine de satisfaire un besoin, et voire même de satisfaire un profit. C'est vraiment, il évolue, quoi. Et je pense que la question écologique, au moment où ça en saisit, ça change sa conception philosophique, disons, de ce que c'est la nature. Et je vais essayer de faire ça méthodiquement et d'être assez précis par rapport à ce qui était demandé. Alors, sur les précédents économiques ou en théorie économique d'un questionnement écologique, ce qui est évident, c'est qu'il y a toute une série, il y a toute une école en fait d'économistes, peut-être que vous connaissez bien, qui s'appelle les physiocrates, au 17e. Qui donne à la nature un rôle fondamental dans la formation, la genèse de la valeur. Et ils veulent donner aussi du coup un rôle important et structurant de l'activité agricole dans la production de la richesse des nations. Et Marx a tout un débat et va dénier cette théorie comme étant fallacieuse. Par une nouvelle théorie de la valeur fondée sur le travail uniquement. Il y a deux choses là-dessus. En fait, d'une part, je pense... La mise en avant du rôle de la nature dans la genèse de la valeur économique n'a chez les physiocrates aucune relation avec la conscience d'une crise écologique possible. C'est-à-dire qu'on est dans une époque d'industrialisation très, très, très précoce. Vraiment, je pense que c'est plus au 19e que naît la question d'une raréfaction des ressources ou d'une perturbation des cycles des écosystèmes. Et vraiment, c'est années 1840-1850, c'est le moment où Marx écrit. Il faudrait regarder plus dans les économistes contemporains de Marx. Il y a eu chez Ricardo des trucs sur la raréfaction des sols, mais là c'est assez malthusien, c'est lié aussi à Malthus, c'est pas tant à des questions écologiques à proprement parler. Et à mon sens, alors moi je connais pas très bien le domaine de l'économie comme science, mais je sais qu'il y a des économistes écologiques, dont un des fondateurs c'est l'économie énergétique de Goergescu, Rogen, je sais plus comment on prononce ça. Il faut aller voir de ce côté-là, mais du coup c'est plus tard que Marx, quoi. C'est... année 1950, que là ça a vraiment été intégré dans l'économie. Et je pense que souvent on a reproché à Marx d'avoir un fondement de sa théorie économique qui était écologiquement incompatible. C'est-à-dire la seule source de valeur c'est le travail, et la nature n'est pas une source de valeur. Mais il faut bien voir que cette théorie pour Marx n'a rien d'absolu. C'est la théorie du fonctionnement du capitalisme. Enfin, en tout cas dans mon interprétation,
Et en ce sens-là, c'est précisément parce que le travail est la seule source de valeur pour le capitalisme que le capitalisme est écologiquement destructeur. Et Marx va ne cesser de rappeler dans des textes tardifs, mais si on prend en compte la richesse qui n'est pas la valeur, la richesse c'est la capacité d'un travail à satisfaire des besoins et non pas la production d'une valeur marchande. Il dit sans cesse la richesse a deux sources que sont la nature et le travail. Donc là, enfin, en ce sens-là, Marx, il a sa théorie économique, mais qui est une théorie économique immanente, interne du capitalisme, et après, une sorte de philosophie qui, elle, est bien plus large. Et dans cette philosophie bien plus large, il ouvre la porte à la place de la nature. Alors, c'était un point assez rapide de mon développement sur le fait qu'on ne peut pas expliquer la transition de la base énergétique du capitalisme depuis une énergie de flux à l'énergie carbonée, puis plus tard à l'énergie pétrolière, uniquement par des facteurs économiques. Si on va faire la genèse historique minutieuse du moment où cette transition s'est passée, il peut y avoir une fonction large, à grande échelle, d'augmentation du taux de profit, qui serait économique du coup, par des énergies plus productives, etc., comme j'ai tenté de le montrer. Mais dans la genèse elle-même, les raisons qui ont poussé les capitalistes à choisir telle ou telle énergie, il y a eu d'autres facteurs. Et parfois même, au moment initial où on a utilisé ces nouvelles énergies, l'argument économique n'était pas décisif, parce qu'elles étaient encore chères. Enfin, le charbon à l'époque était cher en raison principalement de la faible efficacité des machines à vapeur, qui étaient basées sur le charbon. Et l'avantage qu'offrait le charbon, c'était un avantage qui n'était pas de taux de productivité, mais un avantage de structuration géographique de la production. Grâce au charbon, on a pu produire dans les centres-villes, les centres urbains, pardon, dans les grandes villes. Tandis qu'avant le charbon, il était nécessaire que les centres de production, les manufactures de textiles, soient localisées aux différents endroits où la nature offre des énergies. Sur les cours d'eau, en campagne, à tel ou tel endroit où il y a une chute notamment. Et cette dispersion de l'industrie sur le territoire rural permettait aux travailleurs et aux travailleuses d'avoir accès à une économie de subsistance. Ayant accès à une économie de subsistance, ils habitaient à la campagne, ils avaient leur petit terrain, leur petit lopin de terre, ils pouvaient, s'ils le voulaient, ne pas aller travailler un jour ou l'autre. Ils pouvaient faire grève une dizaine de jours, un mois, six mois, en ayant de quoi manger. Étant concentrés dans les centres urbains, dépendant entièrement du marché pour subvenir à leurs besoins, ils sont dans un rapport de force beaucoup plus défavorable vis-à-vis de l'employeur capitaliste. Et donc, ce que Marx a appelé le mouvement d'expropriation primitive, le moment de prolétarisation où les travailleurs semi-ruraux, semi-industriels ont été forcés d'être intégrés entièrement, corps et âme, disons, à l'économie capitaliste, a été accompagné par une transition de la base énergétique. Et sans ça, c'est un rapport de classe aussi qui explique cette transition-là. Et c'est vrai que j'étais rapide. Et sur le pétrole, c'est vraiment l'idée que cette nouvelle énergie permet de désamorcer un risque très fort pour le capitalisme de l'époque, que sont les grèves ouvrières dans les bassins miniers. Si on a une énergie telle que le charbon, c'est une énergie qui est très très gourmande en travail. Il faut beaucoup de travailleurs, très dépendante de la main-d'œuvre. Et donc les grèves ouvrières dans les bassins miniers étaient extrêmement pénalisantes pour le capitalisme, pesaient énormément dans le rapport de force, parce qu'elles paralysaient toute l'économie. Si on a bien conscience que le charbon, c'était cette matière première universelle. Et le pétrole offrait un avantage, mais décisif, pas tant en termes d'efficacité productive, qu'en termes de libération de l'économie, de la dépendance à une force de travail mobilisable dans des luttes. Alors certes, il y avait encore, on peut dire, dans des puits d'extraction de pétrole, il y a des compétences d'ingénieur, et si jamais l'ingénieur dit je ne veux pas travailler, ou dans les raffineries, ça ne marche pas non plus. Mais en tout cas, à l'époque où ça s'est passé, il y a eu une délocalisation de l'extraction des énergies, dans des zones du monde dans lesquelles il n'y avait pas de tradition de lutte ouvrière
les deux traditions de grève, enfin c'est l'hypothèse hein, de l'auteur que j'ai cité, Timothy Mitchell. Et donc ça permettait de pacifier, disons, l'économie, de la mettre à distance de ces luttes qui pouvaient l'entraver et qui pouvaient donner du poids du coup aux révolutionnaires. Quoi. Ce troisième point, je suis tout à fait d'accord hein, avec le fait qu'il y ait une urgence. Aussi que l'écologie est forcément contradictoire avec le capitalisme, contre tout un discours de reverdissement du capitalisme, ce qu'on a pu appeler le capitalisme vert. Alors si ça vous intéresse, il y a une excellente conférence de table rase il y a 5 ans, maintenant je sais pas, de Daniel Tanuro qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'impossible capitalisme vert » et qui est remarquable par son analyse empirique de toutes les défaillances des tentatives capitalistes de résoudre la crise écologique par des logiques de marché. On va faire des marchés carbone, etc., etc. Qui a une expertise que j'ai pas du tout là sur ces questions, mais qui est très très convaincante. Et pourquoi? Alors il y a ce paradoxe que vous avez très bien noté, hein, qu'on sait tous hein, que la catastrophe approche si on ne fait rien. Et ce qui est le plus frappant, c'est vraiment la naissance de la conscience écologique. C'est quoi? C'est 72, premier sommet sur l'environnement à Stockholm. Première fois qu'on a vraiment la mise en scène politique de ce risque-là, donc c'est pas encore strictement climatique. Et après, début des années 90, là, c'est vraiment la question climatique qui apparaît. Sommet de la Terre à Rio en 91, puis sommet de Kyoto en 97, et puis après toutes les COP après l'année 2000. Donc on ne cesse de dire, la catastrophe est là, il faut faire quelque chose. On a des vaillants chevaliers, tel Macron qui vont combattre le dragon trumpien contre voilà, le feu carboné, tout ça, tout ça. Et en même temps, le fait que l'impératif du profit reste premier nous fait miroiter des solutions qui sont tout à fait risibles par rapport à l'ampleur du désastre. Et vraiment, on peut vraiment... il y a cette phrase chez Marx, il dit « Quand on échange sur le marché, on n'a pas conscience de ce qu'on fait, toutes les présuppositions. » Il y a cette phrase « Ils le font sans le savoir. » Et on pourrait dire l'inverse ici, tout le monde le sait, mais on ne fait rien, quoi. Mais je pense, c'est pas parce qu'on est tous... Parce qu'il n'y aurait pas un aveuglement, mais c'est plus... Le fait que toutes les solutions qu'on envisage sont internes à la logique de marché, que j'essaie d'un peu de spécifier comme valorisation de l'investissement et comme dégagement de profit, qui est structurellement incompatible avec la durabilité écologique, du fait de sa temporalité, du fait de son productivisme. Et il ne faut vraiment pas faire confiance à... Enfin, placer un espoir dans ces négociations climatiques. Il y aurait d'autres, en plus d'autres facteurs aggravants, qui est qu'on a à faire face à des États nationaux en concurrence les uns avec les autres, et qui ne veulent pas remettre en question leur situation dans cette concurrence, la Chine notamment au sommet de Kyoto et les États-Unis très récemment, quand ils refusent de ratifier un accord. Parce qu'il n'y a pas de super-État. Le capitalisme dépend de l'État au niveau national, parce qu'il n'y a pas de super-État qui serait là pour réguler le truc. C'est pour ça que quand Naomi Klein propose une régulation mondiale, on a du mal à voir quelle serait l'institution qui le ferait respecter. Si c'est une loi comme ça qui viendrait. Contraindre à respecter des taux d'émission, etc. Donc je pense en fait, l'idéalisme politique, c'est précisément celui-là en fait, c'est de faire confiance à des négociations climatiques, une gestion qui soit satisfaisante de la crise climatique. Et je pense qu'au contraire, la perspective révolutionnaire est beaucoup moins idéaliste d'une certaine manière, vu le léviathan climatique auquel on fait face, quoi. Moi, je peux que aller dans votre sens. Enfin, ouais. À mon avis, il y a vraiment. Enfin, là, on est une génération assez nouvelle par rapport à ces questions-là. Parce qu'on a la conscience du truc et on a l'idée que l'échéance, elle est celle de nos luttes, en fait, celle des 30 prochaines années. Et après, il y a un dernier point, est-ce que l'écologie sera le ressort de la lutte? Est-ce que c'est l'écologie, la conscience écologique qui va nous faire avancer quelque chose? Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura d'autres ressorts de la lutte et qu'il est important. Parce que. Pour toutes les difficultés que j'ai mentionnées, notamment le fait que les problématiques, la crise écologique n'est pas vécue au quotidien par les gens. C'est pas ça qui les fait aller dans la rue, à part par volonté de se donner bonne conscience. Elle est rarement vécue dans le quotidien des gens. Et elle va ne l'être que trop tard, disons. Par contre, ce qui est important, c'est que dans ces luttes qui doivent se multiplier, qui auront d'autres raisons structurantes du capitalisme,
doit à un moment venir le moment écologique pour penser la transition qu'on veut mettre en place. Et ça peut être un facteur également de mobilisation, mais ce sera pas, à mon sens, on ne peut pas faire de l'écologie du fait de ce problème-là un facteur décisif de pratique de lutte à un niveau massif, quoi. Je suis pas cette confiance-là. Après, moi aussi, je parle là, tout ça d'écologie, je suis pas militant écologiste. Hein. Moi, je suis militant anticapitaliste, communiste, révolutionnaire, mais j'ai pas d'engagement dans ce militantisme-là. Je pense que ce serait intéressant qu'il y ait des gens qui viennent de là, qui m'opposent des arguments aussi, pour par exemple l'argument que je viens de dire, là. Non, mais c'est très injuste ce que j'ai dit, parce qu'en fait, d'une part, oui, vous avez tout à fait raison, enfin, ça dépend des zones, justement, planétaire, où la crise écologique peut se faire sentir directement ou moins directement, mais c'est effectivement enfin, la question de l'Iran, notamment. Enfin, moi, j'avais lu des trucs aussi sur la péninsule arabique, où les taux de température atteignent déjà des seuils non vivables, en fait. Au-delà de 45 degrés sec, je crois que c'est un des seuils dans lequel on ne peut pas survivre une journée dehors, enfin, un truc comme ça. Et donc, il y a ça, c'est le cas, oui. Et c'est vrai que moi, dans ma réponse, j'avais plus... ce constat en tête d'une baisse de vivacité des crises, des mouvements écologiques par rapport aux années 70-80, où c'était très présent dans nos pays. Où elles en prennent d'autres formes, elles sont peut-être moins vivaces, alors même que la question s'aggrave. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être pas ici le truc qui va faire moteur, mais c'est pour ça que je pense que mon jugement est vraiment, vraiment nuancé par rapport à ma position maintenant et mon manque de connaissances sur ce sujet concret. Bah, juste, je reviens d'abord sur la remarque qui a été faite, puis après je reviens dessus. Mais je pense qu'effectivement, la décroissance telle qu'elle se pense aujourd'hui prend deux formes. Soit l'alternative hors système, donc on est dans une économie de subsistance, où là c'est nous qui produisons et donc c'est nous qui pouvons gérer la finalité de cette production-là, une finalité qui sera décroissante au sens où elle n'a pas pour objectif l'augmentation. Alors, la décroissance, souvent elle pense la croissance comme une augmentation de la quantité matérielle. Après, parler de décroissance, il faudrait voir aussi ce que ça veut dire en termes de décroissance de la valeur produite, mais bon. En tout cas, souvent, il y a cette alternative-là. Mais du coup, le problème, c'est que... on se pose pas les questions de la généralisation, des conditions de généralisation possible d'alternative. Et souvent, on va voir avec la ZAD, par exemple, les pratiques de ZAD qui sont hyper importantes. Je le mets pas du tout en question, mais que la condition de généralisation de ce truc, ça va être un rapport de force avec l'État, qui va être très très violent. Dans la mesure où l'État ne va pas accepter qu'il y ait des zones où la propriété ne soit pas utilisée à des fins productives. Et donc la décroissance, si elle veut être cohérente, elle va devoir se demander cela au bout d'un moment. Comment on peut généraliser ce modèle-là? Et la seule possibilité, c'est d'avoir une perspective révolutionnaire. Enfin, je suis désolé, au sens vraiment fort du terme. Deuxièmement, l'autre solution décroissante serait, non pas l'alternative hors système, mais modifier la pratique au quotidien. Et cette modification de la pratique au quotidien se fait par un changement de la consommation qui, à mon sens, suppose que l'économie est guidée par les besoins avec une régulation de l'offre et de la demande, mais ne prend pas en compte en fait la contrainte structurelle de la production, enfin ce que j'essaie de montrer dans... Pour ça, moi, je pense, oui, l'objectif de décroissance, il est très bien, et quel projet politique traduit en fait l'idée de décroissance et qu'il n'est peut-être pas toujours très cohérent avec les moyens qu'il met en œuvre et la fin qu'il cherche à obtenir. Malthus et Ricardo, oui, en fait, on les définit très souvent comme étant les précurseurs de l'écologie. Et cette définition même, ça a été la définition... Définitive à fond. Hein ? Définitive à fond, il y a plus de problématiques qui sont posées. Oui, mais c'est les néo-malthusiens, donc c'est Ehrlich et Paul Catton et toute la vague de l'écologie politique des années 80 qui ont fait de Malthus et de Ricardo des penseurs des limites naturelles. Ça se joue sur deux trucs, quoi. Chez Malthus et Ricardo, c'est vraiment l'imitation de la production agricole de nourriture et l'imitation de la fertilité des terres. Et j'ai lu le bouquin de Malthus qui s'appelle « Essai sur la population ». Et il n'y a aucune base scientifique à son exposé. Alors, d'où vient l'idée qu'il y aurait des limites? C'est ça la question. Il y a le côté religieux chez Malthus. Il y a le côté, c'est Dieu qui pose deux lois que sont
la loi de croissance de la nature et la deuxième, la loi de la croissance de l'humanité. Ce sont des lois naturelles, mais pas au sens d'une nature scientifiquement interrogée. C'est une nature qui nous prescrit ce qu'on doit faire. Et donc, conséquence du croisement de ces deux lois, c'est qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, et donc qu'il y a une surpopulation excédentaire structurante dont il faut se débarrasser. Pour ça, je pense, la raison pour laquelle il met en avant une limitation naturelle, Malthus, hein, faut avoir Ricardo, mais Malthus, c'est vraiment une raison idéologique. Qui est religieuse, c'est un pasteur, etc., etc. C'est pas du tout un scientifique. Il a aucune connaissance de ce que Marx va lire plus tard dans les années 40. Ricardo, j'ai moins de billes sur ce sujet, mais lui, le truc, c'est l'idée que la production agricole va d'abord se saisir des terres qui sont les mieux, les plus fertiles, et progressivement va devoir, en s'étendant, se saisir des terres les moins fertiles. Donc il y a un rendement décroissant de la fertilité des sols. Et c'est ça la manière dont c'est comme ça qu'il pense la limitation naturelle. Et Marx lui reproche de ne pas prendre en compte la transformation possible des sols par les techniques d'engrais, de fumure, etc. Et je pense que Marx va remettre en cause son jugement au bout d'un moment avec sa lecture justement de la vie. Mais par contre, il n'y a pas de conscience de la limitation des matières premières. C'est vraiment sur la question agricole que ça se pose, quoi. Et c'est pas Ricardo qui va être cité par les écologistes des années 60 et 80. C'est Malthus. Et là, il y a vraiment un jeu de réappropriation d'une référence comme étant le père fondateur, alors qu'en fait, il parlait d'autre chose et il le faisait de manière qui était vraiment dégueulasse. Et on trouve... Sur l'eugénisme. Après, on trouve dans les discours néo-malthusiens écologiques des années 70, il y a notamment le mouvement qui s'appelle Earth First, la Terre avant tout. Donc avant tout, c'est vraiment avant tout, quoi. Et ils défendent des discours néocoloniaux absolument horribles où ils vont justifier des famines telles que la famine la famine qui fait suite à la guerre du Biafra d'émancipation du Nigeria. Ils disent non, mais ça, c'est faut laisser faire. Pas intervenir parce qu'on est trop sur Terre. Donc, en fait, on est trop où ? On est trop dans les zones même du monde où il n'y a pas d'impact écologique, quoi. Parce qu'il n'y en a pas une production capitaliste. Et pour ça, il faut vraiment gaffe avec l'argument malthusien. Et on peut mettre en avant le facteur démographique, qui est un des facteurs de la pression des sociétés sur leur écosystème, parce que forcément, il faut satisfaire des besoins. Mais il est hyper important de ne jamais l'isoler. Si on l'isole du reste, si on l'isole des contraintes que font peser les logiques socio-économiques sur pourquoi on produit ce qu'on produit, là on verse dans des trucs qui sont hyper dangereux. Je pense que ce serait aussi illusoire de vouloir dire non, le nombre de population n'est pas du tout un facteur, si c'en est un, mais il n'est pas du tout isolé. Voilà, je peux que rejoindre ce que tu dis. Je pense qu'on peut donner en fait aussi une analyse sociologique des gens qui rejoignent la perspective de l'alternative, qui ont une marge de manœuvre dans leur choix de consommation, du fait d'une certaine réserve économique. Et que, disons, même le fait de pouvoir aller s'installer à la campagne, ça demande quand même d'avoir accès à une terre, d'avoir accès à un investissement. Faut voir, alors une occupation, mais du coup, si on le fait sous la loi de l'occupation, la question de la résistance va se poser immédiatement. Donc, ça, déjà, dans une alternative politisée qui est peut-être plus intéressante, type ZAD. Mais l'alternative qui se construit comme ça, dans une sorte de subsistance autonome, et en fait, il faut avoir déjà une intégration dans le marché pour pouvoir y accéder. Donc, souvent, c'est quand même des gens qui appartiennent à une certaine classe moyenne, mais qui n'est plus capable de s'identifier à la finalité capitaliste qui était celle de leurs parents, parce qu'elle est en voie de désintégration, mais donc il y a une recherche d'ailleurs, mais qui ne se fait pas dans une opposition. Quoi. Je pense qu'on peut avoir une analyse sociologique. Malgré tout, je pense aussi qu'on ne peut pas rejeter en bloc toutes les tentatives d'envisager des pratiques différentes, mais juste comme des... Comment dire ? Comme des expérimentations et pas comme des finalités de lutte. Pas des choses qui pourraient être réalisées indépendamment d'une réflexion sur comment on fait société, quoi, de manière large.
D'autant plus que les questions écologiques qui nous posent le plus de problèmes se posent uniquement en fait à l'échelle d'une réorganisation globale. Et j'avoue que souvent ça peut intimider beaucoup de personnes qui disent non, mais moi je veux en fait trouver à construire quelque chose ici maintenant qui puisse peser dans la balance. Mais ça ne peut pas se faire si c'est dissocié d'une perspective de renversement, comme tu l'appelles, là, je pense. Ouais. Ah oui, juste tout ce que j'ai dit à la fin, là, c'est Astarion. Hein. Tout le truc sur. Ouais, ça c'était typiquement Astarion. Ouais. L'abolition du travail et tout, c'est des thèses d'Astarion qui me plaisent beaucoup. Donc si vous voulez, ce sera vraiment la continuité de cette esquisse de troisième partie Astarion. Quoi. Je pense qu'il dit beaucoup de choses qui sont compatibles avec en fait un modèle non productiviste pour penser comme ça. Quelle tradition.